Salut à tous, c'est Nasouk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 29e partie de Assassin's Creed Unity. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne partie, je vais vite faire récapituler. On a appris enfin où se cachait Germain, qui est un peu le. Enfin, qui est un peu. Qui l'est. Qui est le grand méchant de l'histoire. Alors, sincèrement, je crois que je n'ai jamais vu de. Oula, il y a eu un bruit. De fin aussi pourrie. En fait, dans le sens où, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc on a la recherche du grand méchant et tout, c'est... Ok, alors là Arnaud t'es complètement con, bravo, t'aurais pu tomber sur la corde, bref. On est à 40 secondes d'une de la vidéo et Arnaud est déjà con, bref. Donc on est à la recherche du grand méchant, enfin mon dieu, où est-ce qu'il se cache, etc, etc. Et donc on arrive à faire parler quelqu'un et il nous dit, le grand méchant se cache dans le temple. Alors, il y a un temple, des templiers et tout... Sincèrement, alors, je crois que c'est complètement con, parce que Arnaud, ouais, sincèrement, j'aurais été dans le jeu. Il y a un grand méchant templier qu'on cherche, il est caché, je dirais. Il y a un grand méchant qu'on cherche, il y a un temple des templiers, peut-être qu'il est caché là-dedans, tout simplement. Ça paraît tellement logique, bref, on va continuer sur l'histoire principale, donc je me demande si je pense que ça doit être la toute dernière... mission, par contre, Arnaud est en train de me faire chier. Ça change pas d'habitude, vous allez me dire. Hein. Il est tout le temps en train de me faire chier, celui-là. Bref. Alors, on va aller lancer la mission. Et je pense, ouais, je pense que c'est la dernière. Parce qu'on sait où se trouve, où il se trouve. Donc, théoriquement, on va aller lui faire la misère, quoi. Alors. Séquence 12. Mémoire 3. Le temple. 3 points de compétence. Oula. 3 points de compétence, un truc secret, une pièce d'armure. C'est le bout de la piste. Germain se cache dans le temple. Trouvez-le et tuez-le. Récompense tenue de maître assassin Arnaud. Effectivement, c'est la toute dernière mission du jeu, les amis. 29 épisodes de Assassin's Creed Unity pour arriver à la toute fin du jeu. J'espère que ça vous aura plu. Parce que sincèrement, ça a été difficile. Hein. Allez, c'est parti. Cinématique, les amis, on va voir ce que ça donne. Quartier, porte de Saint-Denis. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chances de ne pas surprendre. J'imagine que tu as raison. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. Germain s'est bâti une vraie forteresse. Je ne vois aucun point faible. Bah, on fonce dans le tas et on tue tout le monde. Voilà le plan. Alors, assassiner Germain. Explorer le secteur, créer des opportunités. 9 entrées, 62 gardes, 14 cachettes, 2 cloches d'alerte. On va rentrer tout droit, écoute, hein, on va pas y passer par la porte d'entrée. Pourtant, j'aurais juré entendre le tonnerre en faisant ma ronde. Je n'ai rien entendu du tout. Halt! Oui, toi, citoyen! Arrête-toi, citoyen! Il est là! Ok, bon, on a failli dès le début, c'est pas grave, on a été repéré très rapidement, on s'est vite barré. De toute façon, ce qui est bien, c'est que si je sors du bâtiment, bah, ils peuvent pas trop me courir après. Ok, alors, pop, là, il y a des gardes, là, il y a beaucoup de gardes. Non, vous allez quand même pas me repérer juste parce que je suis devant, quoi, je fais rien, je suis un honnête citoyen qui court pour attraper son train. Même s'il n'y a pas de train, j'ai rien fait de mal pour le moment. Merde, non, je voulais... Merde, excuse-moi, c'est pas toi que je voulais tuer. C'est juste chose qui arrive dans la vie, on veut tuer un méchant et puis on tue un gentil sans faire exprès, ça peut arriver. Hein.
C'est... L'erreur est humaine, j'ai envie de vous dire. Ok, on a donc perdu à peu près tous les soldats, donc je pense qu'on va passer par devant là. Sauf que ça m'a l'air un peu haut pour escalader. Enfin, ça m'a l'air. Non, je peux pas escalader par ici. Lampadaire. Vous êtes sérieux? Putain, mais je me fais repérer de partout. J'aime bien parce que je suis en plein mouvement, mais ils arrivent à me tirer dessus. Ah, t'es un peu con, Arnaud, s'il te plaît. Merci. Alors j'ai pas tenu ces chiens de passer à côté de moi parce qu'il y a l'autre qui arrive. Citoyen, plus un geste. Là t'es sérieux, l'autre il s'est déjà retourné. Le mec il voit ses potes morts, il est déjà retourné. Genre ouais bon ils sont morts, hein, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Aïe. Arrêtez de me tirer dessus, c'est tellement énervant ça. Reviens, misère. Il m'a dit de revenir, j'étais en train de courir vers lui. C'est un peu étrange, genre reviens. J'arrive, y'a pas de soucis. Ok, donc le côté. Ce côté-là, il est vide. Il y en a des gardes, hein. 60 des gardes, il disait. Et merde, c'est pas ce que je voulais faire. Un homme comme on en veut. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais m'accrocher au rebord et continuer en étant accroché au rebord. Citoyen, un instant. Tu es timide? Bah, on est entre amis. Je trouve pas que le grand maître passe beaucoup de temps dans les catacombes. Il se prend pour la réincarnation de Jacques de Molay. C'est plaisante. Loin de là. Eh merde. Oh, c'était sérieux, Arnaud. En fait, je voulais qu'il fasse une attaque tombée. Non, je voulais qu'il descende et qu'il tue deux mecs dans le même temps. Attention, on va me tirer dessus. Et je pouvais pas esquiver, bien entendu. Ah, celui-ci, on me l'avait pas montré. Faut que je reprenne des potions avant de partir. Arrête de tirer, toi. Je suis juste en face de toi. Ok, ce côté c'est bon, par contre il va vraiment falloir que je rachète des potions parce que là...
Là, c'est la misère. Je suis ici. Il y a un truc pour acheter des potions ici. Ok. Ce n'est pas normal. Alors vous voyez, j'ai écrit croix à couvert, sauf que si j'appuie sur croix, il se passe rien. Punaise, c'est tellement énervant. C'est peut-être tout con, mais je vous jure, ça vous gâche le plaisir. Je peux pas me mettre à couvert. Ok, j'ai les deux, c'est bon. C'est des petits bugs. Après, en général, quand je sors, bon, on peut pas trop critiquer les bugs parce que bon, il vient à peine de sortir, c'est logique qu'il y ait des petits soucis techniques. Arrête de me tirer dessus, je suis juste en face de toi, regarde, en plus je te déglingue ta gueule. Quand je sors, oui, on peut pas trop critiquer les bugs parce que bon, c'est pas normal, mais il vient de sortir, donc on peut pas critiquer quelque chose qui vient tout juste d'arriver. On va bouger. J'aurais perdu sa trace. Et on va aller acheter des remèdes et tout. Il m'en reste un. Je crois qu'il faut que je devienne anonyme pour pouvoir en acheter. Bienvenue dans ma boutique. Ok, l'inventaire est plein. Ça va, j'ai 7000 francs quand même. Pour ceux qui se demandent, une fois que le let's play d'Assassin's Creed Unity sera terminé, qu'est-ce qui se passera? J'ai des missions coop à vous présenter qui sont faisables solo parce qu'elles sont plutôt simples, longues mais simples. Ok, donc j'ai lui là. Je crois que pour lui, j'ai fait une petite surprise, c'est-à-dire. Comme ça. Punaise, mais arrêtez de me repérer dès que je fais le moindre truc, c'est chiant en force. Il y a Arnaud qui veut lancer la bombe fumigène dans le mur. Allez, montre-toi. Y a quelqu'un? Bon sang, où peut-il être? Maudit royaliste! Là, il le fait tomber, puis sort son épée. Si l'ennemi est à terre, pourquoi tu le tues pas? Je comprends pas, ça non plus, ça c'est un peu étrange. Allez, allez, hop. Maintenant, on sait pas pourquoi ils m'ont tous repéré. Donc je peux plus être vraiment en mode furtif, vu qu'ils savent tous où je suis. C'est bon. Mais où? Il s'éloigne, plus vite. Ok, lui c'est ok. Non. Ok, alors ça c'est un autre petit bug chiant. En fait, c'est croix pour quitter la couverture. Vous voyez bien, en haut à droite, j'ai écrit croix quitter la couverture. Cependant, je peux avoir écrit croix changer de cachette. Alors, c'est un peu con de la touche. Pour changer de cachette et la touche pour changer de couverture, pour quitter la cachette et la touche pour changer de cachette, ça devient très chiant, je vous assure. Parce que là, vous voulez simplement quitter votre couverture, puis tout d'un coup, vous savez pas trop pourquoi, Arnos met à aller de gauche à droite comme ça. Ok, donc lui il est mort. Lui il arrive. Non, il arrive pas. Vas-y Arnaud. Vas-y. Allez. Bravo. T'as juste mis 30 minutes pour faire ça. On va rester accroché comme ça. Théoriquement, je suis pas dans leur champ de vision. Même s'il doit avoir mes petits doigts dépassés. Et j'aime bien parce que Arnaud se tient même pas avec les doigts. Il a juste la main posée. Oh non, punaise.
Les mecs, ils sont préparés au combat. À peine ils me voient que c'est bon, aucune attaque furtive possible. Ok, donc les deux, c'est ok. Arrête-toi, toi là-bas! Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? C'est un cadavre. Mieux vaut ouvrir l'œil. Arnaud. Reste sur tes gardes. Arnaud. Arnaud, qu'est-ce que tu fais? Oh bah, tu peux pas faire une attaque furtive, hein, c'est sûr. Oh bah, maintenant t'as été repéré par tout le pays. Quoi? Très bien. Montre-toi. Ok, non. Il m'a réussi. On va bouger de là, parce qu'il y a tout le monde. Bravo, joli coup celui-ci. C'est une guillotine? Non, ah non, j'ai cru. Ok, alors je crois qu'on a débarrassé la totalité des murs. Ah non. Ça m'a l'air plutôt bon, j'ai l'impression. Ok. Donc là, je regarde en face Pew Academy. Donc je pense qu'on a fait la totalité des murs. Maintenant, il faut que je m'attaque à l'intérieur. Oh, t'es... Sois plus lent pour taper, Arnaud. Ok, donc là, c'est ok. J'ai vu qu'il y avait deux ennemis qui attendaient comme ça. Bien sagement que je leur fasse un double assassinat. Allez, 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 allez. Bon, c'est pas vraiment un double assassinat, mais c'est pas grave. L'idée y était. Ok, suivant. Ah. Deux snipers. Hey, toi, reste là un moment. Ouah, le mec, il me voit à travers un arbre et tout. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Call of Duty, quand vous... enfin les jeux comme Call of Duty, les FPS, quand vous êtes en mode ultra difficile, les mecs. C'est pareil, là le mec il me voit à travers l'arbre, à travers le mur et tout. Pas obligé de faire une attaque plongée. Si tu le demandes, ok, c'est bon. Ok, alors. Je vais lui là au-dessous. Avec un petit bug. Ok. Donc là, il y a des gardes dans ce bâtiment-là. Sauf qu'on va continuer à fouiller. Bon, on a sur les 60 gardes, on a dû en éliminer une bonne vingtaine. Oh, le double assassinat qui est passé. Non, oh, t'es con. Là, tu peux le faire, là? Ouais, tu dois pouvoir le faire. Ok, c'est bon, c'est passé. Wouah! Y'a pas de soucis, tu peux venir, y'a aucun souci. Par contre, peut-être augmenter un poil la sensibilité, voilà. Allez, 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 hop! Eux, avec leurs chapeaux, sont extrêmement chiants. Y'a du people là-devant. Huh?
souterrains sont bien fermés. Oui, Antoine, j'en suis sûr. Pour que ces portes s'ouvrent, il faudrait qu'elles soient frappées par... Ok, là c'est ok. Là je suppose que l'autre va se ramener, celui qui m'a vu. Non ? Ok. On va peut-être... Ouais non, vous savez ce qu'on va faire Ah mais là c'est trop risqué. Mes oreilles ne m'ont jamais trahi. Inutile, je ne l'aurai pas cette fois. Oh non 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 non. Mais non. Vous voyez quand je vous disais le problème de... Oh putain, il va sonner la cloche. Il va sonner la cloche. Allez, allez, bouge, 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 la bouge, la bouge, la bouge. Bouge, tu es un crétin monumental, tu es irrécupérable, je te hais, je hais toute ta famille. Tu m'étonnes, personne t'es... Mais, allez, bah, faites sonner deux fois la cloche, allez, encore plus de monde. Eh oui, bien sûr, ah oui, c'est vrai qu'on peut me sniper pendant que je cours et que je tourne, j'avais oublié ce petit détail. C'est bon, il y a moyen que je puisse jouer maintenant. C'est insupportable les bugs de gameplay. Je me suis, voilà, j'ai été repéré, pourquoi ? Parce que Arnaud a confondu quitter sa cachette et changer de cachette. Et c'est quand même con parce que je regarde, bon, pas besoin de vous dire que ce que c'est, mais joueur du grenier. Et c'est dingue parce que dans joueur du grenier, il parle de ce problème des vieux jeux où les touches étaient, par exemple, sautées pour select. C'est vrai que ça, c'est mal fait, mais il avait parlé d'autres trucs, comme par exemple une touche qui servait à taper et en plus à sauter, ce qui faisait que vous pouviez pas taper. Bah là, c'est quand même con que la touche changer de cachette soit la même touche que quitter sa cachette. Soit vous avez de la chance et il n'y a pas de cachette à côté, donc il va quitter sa cachette sans aucun souci, soit il y a une cachette à côté, et là, pour quitter la cachette, ça va être une misère, hein. Il va s'amuser à faire des allers-retours de cachette en cachette. Putain, je suis en train de faire massacre en mode infiltration, mais en mode très speed. On va se faire le sniper en haut, il risque de me gêner sinon. Alors, on va passer par là. Ok. Ok. Donc là, c'est ok. J'ai une mission, je viens de remarquer. Double assassinat aérien 1 sur 3. Sincèrement, avec votre gameplay, même si je voulais le faire, je pense même pas que ce serait possible. Ok, j'ai l'impression qu'on vient de tuer tout le monde. Me semble que oui, me semble qu'on a enfin vidé la totalité du truc. On va donc vérifier, parce que sinon je vais me faire baiser, je m'en doute. Hein. Alors on va vérifier s'il ne reste pas des ennemis par ici. Ok, il en reste dans le château, mais le château m'importe peu, parce que je suis pas certain que ça doit être là où je dois aller. Enfin, quoi que j'ai trouvé Germain, ils me disent pas oui. Oh merde, je t'avais pas vu toi. Te voilà. Saisissez-vous de lui. On pouvait compléter. Ah. J'aime bien Arnaud qui range son épée. Il va payer ça. Et c'est vrai qu'Arnaud met 30 ans des fois à taper. Oh, j'ai mourir, j'avais pas vu. Alors Arnaud rond c'est contré. Attends, tu sais quoi, on va se bourrer, bien sûr. On va se barrer parce que là. Je sais pas pourquoi il veut pas contrer.
En plus, ils font sonner une cloche, sachant qu'il n'y avait pas de cloche d'alerte juste à côté de nous. Ah, faut pas que je sois en ligne avec eux, parce qu'ils peuvent me sniper alors que je cours. Arrête de grimper partout, Arnaud. On peut pas faire un truc un peu stylé, genre on va se cacher juste simplement là. S'il y en a un qui monte, c'est du foutage de gueule. Ah bah dites donc, ce que je fais, c'est plutôt joli. C'était même très joli, je trouve, ce que je viens de faire, le petit mou, le petit truc que j'ai fait. Ah, saboter la cloche qui est ici. Ok, alors là j'ai 4 gardes par contre. Garde l'entrée, mais je crois qu'on va les laisser tranquilles. Alors, où se trouve Germain? Je vois des coffres en bas et je vois des escaliers sur la carte, donc je pense qu'il doit y... Enfin, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un souterrain. Donc on va aller voir en bas. J'ai un escalier juste à ma droite, là. Qui ne veut pas s'ouvrir, d'accord. On a 26 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va le faire en 2 épisodes, les amis. Non, ça va pas non plus s'ouvrir ici. Troisième escalier, on tente. Alors. Ok. Ah, c'est pas un escalier, c'est un truc d'égout. Donc écoutez, on va se laisser là pour cet épisode 29 d'Assassin's Creed Unity. Bon, on a eu quelques soucis de gameplay, mais finalement, on a quand même fait un joli massacre en mode infiltration dans le temple des Templiers. On se retrouve juste après pour la fin d'Assassin's Creed Unity. N'hésitez pas à commenter, à partager. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.